Bon, Président, merci de nous accueillir au sein de votre club, Lamos. Est-ce que vous pouvez vous présenter de façon personnelle, déjà dans un premier temps, pour nos internautes de Foot Actu 14 qui ne vous connaissent pas? Donc voilà, votre situation un petit peu professionnelle dans un premier temps, et puis après on passera à l'envie de prendre le club de foot de façon sportive. Thierry Deslandes, je suis président du club de Lamos depuis 2011, me semble-t-il. Sinon, je suis au club depuis 1988, donc je connais bien la maison parce que j'étais joueur. Après, j'ai joué une quinzaine d'années donc en senior et pas mal aussi en équipe première. J'étais éducateur, dirigeant et je suis fortement impliqué au club depuis pas mal de temps. D'accord. Pourquoi l'envie d'avoir repris le club de Lamos? Tout simplement parce que c'est une association qui représente beaucoup pour moi, qui m'a donné beaucoup par le passé en tant que joueur. J'y ai croisé beaucoup de gens de qualité, de passionnés, des gens de caractère. J'y ai beaucoup d'amis. Donc, à un moment donné, le club avait besoin, donc je ne me suis pas trop posé la question et j'ai foncé. D'accord. Donc vous êtes arrivé en 2011, dans quel état vous avez récupéré ce club? Il était déjà bien ou alors c'était... il y avait beaucoup de choses à faire. Bon, comme dans beaucoup de projets ou de clubs, il y a des cycles positifs et des cycles un peu plus difficiles. Là, une période pas facile au début des années 2010-2011 pour le club. Lamos, c'est un club qui s'est beaucoup développé jusque dans les années 90-2000. Et après, voilà, il y a eu un peu une période un peu difficile parce qu'il n'y avait pas forcément des bonnes générations aussi à ce moment-là, parce qu'il y a eu un phénomène un peu de turnover, des gens sont quittés le club, d'autres sont arrivés, bon bref, un peu de manque de stabilité. Et puis donc on a essayé de reconstruire le projet à partir de fondamentaux qui sont la formation, la cohésion, de structurer une bonne équipe éducative, puisque pour développer un projet sportif, il faut d'abord avoir un bon staff pour développer des valeurs, une philosophie de jeu. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Dans ces années-là aussi, on a bénéficié de l'investissement. Ça, c'est aussi un travail de Jean-Claude Guillouf et de Fabrice Detang, la création du terrain synthétique ici, qui est un élément important pour nous et qui a contribué aussi à la fidélisation de nos licenciés et puis aussi un développement et une massification importante. On a des très bonnes installations ici à Lamos, comme pas forcément beaucoup de clubs, donc ça on en est bien conscient, même si aujourd'hui on a, sur le carré vert ça va, mais les locaux, tout ce qui est vestiaire et locaux administratifs aujourd'hui nous font un peu défaut par rapport au format qu'on a, donc c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on développe. Justement par rapport à ça, on a bien sûr communiqué, donc là il y a 62% de pratiquants de plus en 5 ans. En termes de licenciés, donc qui est colossal. Pourquoi les jeunes et les seniors viennent plus à Lamos que dans d'autres clubs? Il y a forcément une raison qui incite à tous ces jeunes à venir jouer dans votre club. Écoutez, d'abord, je pense que on a le projet qu'on a développé, c'était d'abord travailler sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut grandir, c'est comme dans des entreprises, à un moment donné, si on veut développer un bon produit, il faut travailler son projet, avoir les gens autour pour les développer et les mettre en place. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on a essayé d'abord de travailler et de maintenir et de fidéliser les licenciés qui sont chez nous pour qu'il y ait. Il y a toujours un petit peu de déperdition de joueurs, de pratiquants qui souhaitent changer de club. Ça c'est toujours un petit phénomène, mais c'est jamais bon quand il y en a trop. Donc il faut, si possible, créer les conditions pour qu'ils restent chez nous. Le projet, c'était... le projet, effectivement, c'est d'accueillir, quel que soit leur...
leur catégorie, leur niveau de pratique. Garçons, filles, aujourd'hui, le projet de Lamos, c'est du foot pour tous, donc on accueille tout le monde. Mais après, il faut faire en sorte de les garder pour faire de la qualité, proposer un projet sportif à la fois pour les enfants, garçons et filles qui ne sont pas forcément en grande capacité ou qui sont doués pour le football, mais aussi pour d'autres qui ont un projet sportif au niveau régional ou là, et qu'on puisse grandir aussi avec eux. Donc, aujourd'hui, c'est pareil, une évolution positive au niveau de nos niveaux de pratique, puisque toutes nos équipes sont revenues au niveau régional. Hein, ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc c'est aussi la conséquence du travail qui a été fait par les éducateurs et puis aussi les conditions que mettent en place les dirigeants pour que aussi nos garçons sur le terrain puissent travailler dans de bonnes conditions. On a essayé aussi de mobiliser, de développer un secteur qui des partenariats et du mécénat qui nous amène, nous donne aussi des moyens qui nous permettent aussi de développer le projet qu'on a à côté. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut après, quand on est président, essayer d'activer, d'animer. Parce que voilà, c'est le rôle du président, c'est aussi de fédérer, animer, pour faire en sorte que tout le monde se mobilise autour d'un projet collectif. Bien sûr. Alors on parlait justement beaucoup plus de licenciés, ça demandait forcément beaucoup plus de place, on ira visiter les infrastructures après. Comment ça s'organise à Lamos par rapport à ça? Est-ce que les infrastructures vous suffisent? Ou alors c'est compliqué et en ce moment c'est, on va pas dire un peu la galère, mais il faudrait un peu plus, vous parlez des vestiaires, d'autres choses. Hein. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Clairement, aujourd'hui, comme je le disais tout de suite, les terrains, pas de souci, mais à côté, les locaux, c'est difficile pour Cédric qui fait les plannings tous les week-ends de trouver des vestiaires à toutes les équipes. Des fois, ça arrive, malheureusement, on est en difficulté à pouvoir proposer des vestiaires à tout le monde, ce qui n'est pas acceptable pour un club comme le nôtre et pour les clubs en général. C'est à un moment donné, on se doit de proposer un accueil à ceux qui viennent jouer au foot, se changer, prendre sa douche. Et des fois, c'est difficile. Donc, il faut qu'on trouve une solution. On a une discussion actuellement avec la ville de Caen. J'espère qu'on pourra trouver ensemble des solutions pour que demain, on puisse répondre et amener une qualité d'accueil à nos licenciés, mais aussi à ceux qui viennent des clubs adverses jouer chez nous. Un peu une charte de bon accueil, comme dans plein de clubs aussi, et qu'on doit s'appliquer aussi à nous-mêmes. Donc, on y travaille. Donc, mais c'est pas facile. Ouais. La ville de Caen vous soutient assez bien, de manière générale. Elle est assez réceptive. Oui, bon, après, oui, maintenant, les collectivités aujourd'hui sont, soit le département, la région, la ville, des fois un peu dans des complications budgétaires. Donc, c'est pas toujours facile de répondre. Mais sur l'aspect de notre subvention, on n'a pas eu en 5 ans, pourtant on a doublé notre nombre de licenciés, on n'a plus une augmentation de subvention. Ouais. Donc on a trouvé des solutions par ce qu'on a mis en place et grâce au partenariat privé, puisqu'aujourd'hui il y a plus de sponsoring une mécénat que de fonds publics. Donc, et ça, c'est un vrai challenge. On est plusieurs à travailler sur ce secteur-là. C'est un sillon qu'on creuse toute l'année, qu'on doit maintenir. C'est pareil, on parlait d'animation, fidélisation de nos licenciés, mais c'est pareil pour nos partenaires. Donc, voilà, c'est un point, en tout cas, sur le volet des infrastructures qu'il faut qu'on améliore. D'accord. Bon, on va parler un peu du plan sportif. Ouais. Beaucoup de jeunes à Lamos, donc du coup ça doit forcément préparer un peu l'avenir. Je suppose avec l'équipe senior, les ambitions, peut-être cette année c'est trop dur, mais sur les années qui arrivent, c'est de remonter forcément en CFA2, non ? Peut-être. Peut-être. Après, ce sera la conséquence du travail, du bon travail que l'on fera aujourd'hui, si demain ça arrive. Des performances, ça se décrète pas, ça se construit. Donc, ce qu'il faut, ce que vous faites en ce moment. Donc, c'est ce qu'on dit un peu aux gens qui sont dans le club, c'est voilà, c'est travaillons, soyons patients et si
si on travaille bien, qu'on forme bien nos jeunes, peut-être que demain on arrivera à retrouver le niveau qu'on a eu dans les années 2000. On est remonté cette année en division d'honneur. Globalement, les garçons, je pense qu'ils devraient se maintenir honorablement, enfin, s'il n'y a pas trop de surprises, mais bon, les saisons sont parfois compliquées. Là, on est dans une bonne phase. Depuis 3-4 matchs, on a enchaîné 2 matchs nuls et 1 victoire, donc c'est reparti. Après un très bon début de saison, mais on a eu quand même un passage à vide au mois de décembre. Mais donc, si. On est assez confiant, mais on dit bien attention, faut être prudent, humble. Dans des clubs comme nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir dans notre équipe première des garçons qui ont fait un bon parcours de formation chez nous. Ouais. On veut une identité manadienne dans notre équipe première et pour l'avoir, il faut avoir un groupe de joueurs qui sont issus de notre école de foot, de notre bassin de vie. Ce qui n'empêche qu'on peut accueillir aussi de temps en temps des joueurs qui viennent de l'extérieur pour apporter un peu de qualité sur le groupe premier ou des fois sur d'autres équipes en jeunes. Mais on a la chance d'être sur un quartier où il y a quand même beaucoup de monde, on est à Caen. Donc, il faut utiliser tous ces arguments-là pour grandir aussi avec ces jeunes. Bien sûr, et justement, les bons jeunes de la Moitié sont faciles à conserver ou pas? Il y a beaucoup de joueurs quand même qui. Alors tout le monde, tous les clubs essaient à leur niveau de cultiver une identité, une appartenance. Le discours que l'on a, on le retrouve aussi dans d'autres clubs, c'est sûr. Mais en tout cas, nous, on essaie de le développer. On a des moyens qui sont convenables en comparaison à d'autres clubs. Mais vraiment on voulait basculer et être beaucoup plus performant sportivement, on manque de moyens. Ce que je dis des fois aussi aux gens chez nous, c'est qu'il faut aussi qu'on soit encore plus fort chez les jeunes si on veut à un moment donné être plus grand en senior. Ok, ça marche, président. Bon, on va aller visiter maintenant les installations. Ok, bonne visite. Merci. Bon, donc avec l'entraîneur général de la Moisse. Merci de nous accorder ce petit moment. Vous restez donc sur une belle victoire ce week-end. Oui. Au finish. On peut revenir un peu sur ce match. Ouais. Un match cohérent. Ouais. De la fin, on sent qu'il n'y a pas trop de cases, mais c'est quand même un bon match. Mmh. Sauf son dernier quart d'heure, ils ont une grosse situation avec un coup franc sur la main. Ouais. On s'en sort bien. Puis à la 93e, la dernière situation, un coup franc chez nous qui est très mal tiré. Donc, il tire très bien, mais là très mal tiré, le gardien fait une petite faute de main. Ouais. Puis on a bien suivi, donc on avait quand même la volonté de la mettre au fond. But à la 93e, c'est pas mal. Au niveau des sensations, c'est pas mal. Bon, niveau bilan là, cette saison, on a commencé la deuxième partie de saison. Ouais. On est sur la ligne de conduite, on est bien ou il manque encore quelques points par rapport aux objectifs? Ouais, l'objectif c'est le maintien. Il va manquer, je pense, au moins 3 victoires. Mmh. Après, on a un match important contre Hérouville samedi, parce que si on gagne, on est à 13 points. Donc 13 points déjà, c'est un petit match. Après, il faut faire attention parce qu'avec la CFA 2, on ne sait pas ce qu'il peut faire descendre aussi. Quoi, donc, on enchaîne encore 2 matchs à domicile, donc c'est vrai qu'on a une performance sur notre terrain synthétique. Les gars bossent bien en semaine, c'est ce que je dis souvent, les blessés reviennent, les joueurs sont plutôt ouverts. D'accord. Voilà. Vous restez en plus sur une bonne série là, c'est 2 nuls et 1 victoire. 2 nuls à l'extérieur, ouais. Et une victoire. Une victoire. Nous, donc c'est pas mal, c'est prometteur, vous arrivez en confiance du coup pour entamer le match ce week-end. Ouais. Ouais, ouais. Bon, Hérouville, vous en pensez quoi du coup en ce moment là? Bah, je pense qu'ils sont pas à leur place et j'espère qu'ils vont pas se réveiller contre nous. Mais ça a beaucoup, bon, on les connaît bien, les mecs, tout le monde se connaît. Hein. Moi je suis dans la grande salle Hérouville, une petite qualité individuelle. Après, bon, apparemment, ils ont trouvé quand même plus de solidité en ce moment, même si les résultats sont pas encore cohérents. Je pense qu'ils vont gagner des matchs. J'espère que ce sera pas chez nous samedi soir. En tout cas, on va tout faire pour en empêcher. Ouais.
Comment vous situez le niveau cette année, la DH? Vous trouvez intéressant ou alors il en perd un peu par rapport aux années précédentes Bah nous ça fait un moment qu'on n'y avait pas été quand même. Ouais, ouais mais bon je pense qu'en termes de connaisseurs vous êtes intéressé. Ouais, non, c'est proche, tout le monde dit que c'est en plein, moi je trouve pas le niveau des équipes, quoi. C'est vrai qu'on est en Berlou, il y a 3-4 équipes qui sont maintenant au-dessus. Il y a la réserve d'avant, je trouve totalement impressionné, parce que chez nous on a fait 6, mais on n'a rien compris à faire à 90e, ils ont des joueurs hors normes. Non, c'est un bon niveau avec des clubs qui quand même ont des belles structures. Peut-être du C-Courcel en nous, en termes de moyens, on est moins fort. Et c'est un championnat qui est nettement supérieur à la DSR, ça c'est sûr. Ouais. Je connais pas du tout que c'est la famille, donc vraiment une sacrée marche. C'est un championnat intéressant, du coup, parce que les actuels de l'équipe ont rencontré des belles équipes. Ouais, votre parcours à vous alors, du coup, comment vous êtes retrouvé à la tête de l'équipe première de la Mosse? La Mosse, leur parcours, alors déjà, j'ai initié en mars 2009. Ouais. Un contrat CAE avec M. Dautant et la plus grande époque. Et du coup, bah, j'ai gravi progressivement les catégories. Et puis ça s'est fait un petit concours de circonstances parce que David Caillard, son entraîneur, n'a pas continué ici. Donc le club s'est posé la question de savoir ce qu'il allait faire. Et moi, en parallèle, j'avais réussi mon DEF l'année d'avant. D'accord. C'est vrai que la suite logique, évidemment, j'aurais été amené à venir sur les seniors en tant qu'expérience. Voilà, et puis après, moi aussi, je jouais encore. Physiquement, le joueur ne suivait pas trop. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai fait des sacrifices pour pouvoir obtenir le DEF, je me suis fait opérer les adducteurs, tout ça, mais après ça a commencé à être compliqué. Quoi. Quand on... J'étais en plus chez 19 depuis 6 mois, donc je ne jouais plus pendant plus 6 mois. Quoi. Donc, voilà. On a discuté ensemble, et puis j'ai l'avantage de connaître tout le monde ici, des bébés aux seniors. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement et assez logique. Quoi. D'accord. Bon et pour finir, qu'est-ce que vous pensez du concept alors footatu14.com, c'est nouveau? Ouais, c'est nouveau. Ah non mais c'est nouveau, ça dynamise un petit peu parce qu'on avait toujours les mêmes outils, mais c'est intéressant le support, hein. Franchement, j'ai découvert moyen pas si longtemps que ça, à travers notre site internet, à travers des reportages, des vidéos comme ça qui sont intéressantes, j'ai vu sur Google, tout ça, c'est un concept novateur qui mérite d'être développé encore un petit peu, mais en tout cas c'est sympa parce que ça met les acteurs, les coachs, les clubs, c'est plus intéressant de dire les clubs, c'est pas trop cool. À la lumière, mais c'est je pense que c'est une bonne chance de continuer ce que vous faites. Bon, c'est gentil, coach. Bon match. Merci, pas de soucis.